Il y a même la grande porte. Hein. Ah, mais je suis pas fou. Hein. Quand je pour descendre, je saute. Ah, merci le jeu de me montrer par où passer parce que je suis un peu con. Ça va la corde, ça chauffe pas trop les mains, non? Attends, y'a pas de trucs à... Aïe. Des trucs à récupérer là. Oui. Y'a des trucs à récupérer. Comment ça pour choper ça? Non, y'a pas de trucs à récupérer par là? Non. Très bien. C'est leur meilleur élément, c'est ça. Pas faux. Quoi? Il est pas mort là? Oh, une bagnole. On peut récupérer ou pas? De la viande fraîche. Non mais t'es pas cannibale hein. Non mais voilà, merci. Putain non, pas les trucs équipés qui explosent. Ouh, en l'air. Nickel. Oui, apparemment on peut prendre la voiture, ça c'est cool. Et d'abord il y a des trucs à récupérer. Aïe. Non, il y a pas... Mais cette boîte elle sert à quoi alors vu que c'est doré et tout? Je comprends pas. Là, on peut récupérer la plaque. Donc ça fait des points. Mais genre ça. Ça va juste être pété ou... Bizarre. Apparemment on peut prendre le bagou, non? Par là. Quoi? Ah, il faut la pousser, d'accord. Ah, c'est pour péter la porte, ok. Les mécanismes comme ça. Bonjour. Ah mais en fait j'ai envie de remarquer mais en fait on a perdu notre t-shirt du début non? What? Aïe. Voilà. Donc j'ai gagné la rage. Mais qui c'est qui me tire dessus? Putain je les vois pas. Là. Ah c'est mode rage, niveau supérieur. Ne dis pas que là j'ai pas de points de compétence. S'il te plaît. Putain, cette technique elle marche pour tout hein. Ah bah tiens pour lui. Encore un monsieur qui est bizarre, qui est en feu et tout ça. Meurs. Allez, meurs. Allez. Putain. Moi je serais mort déjà 15 fois là. Allez. Et un gros coup. Avec le petit ralenti qui fait plaisir. Bon, on avait dit. Personnage. Détente. Mais zéro, mais pourquoi zéro? Est-ce que ça se débloque tout seul ou... franchement les amis je comprends pas du tout. Putain, je comprends pas du tout.
Petit mutagène, j'ai encore rien chopé. C'est complètement chelou, bizarre, ésotérique et je sais pas. Bon, on va continuer ça pour le moment, hein. Pas trop le choix. Du coup, c'est par où? C'est par là-bas. Ah, mais pas tout à récupérer. Un monsieur. Oh, c'est quoi que j'ai récupéré là? C'est un mutagène? De toute façon, là, y'a rien. T'as intérêt à t'étaler si tu veux pas que je te tue. Starbuild. Oui, je pense qu'il faut passer par là, oui. Ce Wolverine est un ninja, donc il peut grimper partout, normal. Bon, ça sort plutôt bien, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Ça doit piquer, effectivement. Toi. Non. Passage secret. Ouh. Pour toi. Les plaques, je sais pas encore ce que ça fait. Si ça fait juste des points d'XP ou si ça ajoute des bonus ou enfin bref. On ne sait pas, on verra bien. Les caisses non plus, je sais pas non plus à quoi ça sert. Ah, c'est d'XP. Ok. Bien vu, bien vu. Ouais. T'as le droit de grimper en fait. J'ai jamais compris en fait le truc du double saut. Genre tu peux faire un double saut. C'est quand même débile. T'es en l'air, tu fais un saut. C'est pas trop possible en fait. Physiquement, c'est pas trop possible. Et c'est un tigre, c'est quoi? C'est un putain de lion, c'est un T-Rex, c'est quoi? C'est un peu... Je pense que c'est la bête qui est juste là. Ah! C'est pas une espèce de... Je sais, c'est une espèce de singe mutant, un peu comme les monstres de Far Cry 1. Ça doit être ça. C'est une espèce de gorille, mais genre bizarre et tout. Qu'est-ce donc? Trouver une figurine de Wolverine. Mais qu'est-ce que je m'en bats les grains, pardon. Non mais franchement une figurine on s'en fout, à part pour les défis on s'en fout. Moi je veux des compétences. Ah je peux genre le guaquer par derrière et tout. Le sens sauvage. Ah le jeu bien fait. Hein. Allô la base. Dommage. Ah oui parce que oui faire tomber un mur c'est oui. C'est vrai que c'est facile. Ah bah non. C'était obligé. Je parie que t'as cru avoir eu de la chance. Ici Logan, je rentre. Logan, toujours en vie après le crash en hélicoptère. Bah normal quoi. J'aurais dû m'en douter. Je suis sur le site du crash, colonel. Le pilote est mort, aucune trace du reste de l'équipe. Ils se sont parachutés et se sont retrouvés éparpillés. Comment va Victor, colonel? Ton frère va bien. Tu le trouveras dans un temple au nord de ta position. Vous allez pouvoir utiliser le C4 qu'il transporte. Compris. Ghost 4-1 terminé. Ok, on va récupérer le frangin. What?
Non, tout va bien. Tout va bien. J'ai en train d'halluciner, mais tout va bien. Ok. Par contre, ça. Pourquoi c'est genre doré ce truc là? Ah, ok, juste pour ça. J'ai pas compris qu'en fait c'était il y avait du temps pour pouvoir l'utiliser. Non mais t'es pas mort avec tout ce que je t'ai mis dans la bouche. Allez, meurs. Voilà. T'as plus de bras, désolé. Ok, ok, encore un mec en feu. Allez, non. Quand il saute. Là. Tant qu'ils font de le choper en vol, ils comprennent pas ce qui se passe. Oh non, putain, je l'ai pris dans les gueules ça. Ah, t'es un petit peu en feu. Régène, régène, régène. Ça c'est cool que tu puisses te régène, mais genre. T'es un tout petit peu. Et c'est bon. Vas-y, prochain coup mec, je te saute à la gorge. Ah merde. Ok, tu veux te faire comme ça, ok. Ok, vas-y, viens. Ah oh, putain, il esquive genre quand je le chope et tout, mais... pas possible. Allez, meurs, 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 meurs. Le mec il est... Ah non, c'est ok, c'est le mec que j'ai tué, ok. Il y a une jambe qui sonne par là. Ok. C'est par où? What? What? J'ai pas tout compris là. Ah, est-ce que c'est genre par là? Ouais, bien sûr. Non. Ah putain, non, je pensais qu'il fallait genre se balancer, mais en fait, non, tu peux pas te balancer dans le jeu. Ok. Merde. Bon, ça me stresse quand même en fait, ce truc de compétence là, que je peux pas avoir. C'est quand même plutôt étrange. Ça, je suis niveau 3, donc logiquement c'est un niveau, enfin un point par niveau, un truc comme ça. Enfin, généralement c'est un truc comme ça. Oh, c'est muraille. Bon, c'est plutôt bizarre. Quand faire rejoindre votre frère, Victor Creed. On veut encore ça et puis après on va devoir se laisser les amis. Vu que le jeu est plutôt court, j'aimerais bien essayer d'un peu profiter du jeu parce que si je le sèche en une journée, c'est pas trop le but, non mais. Je parle et puis voilà, je combat pas. Un bon début. Merci. C'est gentil. Merci pour la plaque. On fait encore le prochain, on va dire, point de sauvegarde et tout. Et après, on se laisse.
Merde, enfin, j'ai pas réussi à le faire. Bon, tu me diras, ça marche aussi. Hein. Tu veux vraiment m'affronter? On peut enchaîner les fentes. Très bien. Je sens pas. Ouf. D'accord, je peux les mettre sur des pics là. Niveau supérieur, putain, là on est déjà niveau 4. Niveau 4, bordel de merde, et bien sûr, 0 point de compétence. Normal, normal. Santé augmentée de 5. Déjà santé augmentée normalement, ok. Et là, coup de grâce, griffe, nouvelle compétence. Merci, je savais en fait, je viens de jouer au jeu. La plaque, ça fait toujours d'XP. Point de contrôle atteint, parfait. Je fais juste les ennemis là pour être tranquille, pour pouvoir parler tranquille, tout ça. Merci. Donc du coup voilà, donc on vient de finir, on va dire, deux petits niveaux sur le premier. Donc il nous restera, on va dire, le grand frère à faire. Oui, en plus ça arrive. Mais oui, parce que j'ai des trucs à faire, tout ça, je ne peux pas continuer à jouer. Donc ça fait déjà 40 minutes qu'on est en train de... Enfin, que j'ai fait ma première session de tournage sur ce jeu. Je pense que je l'aurais divisé en deux épisodes déjà. J'espère que cet épisode, enfin ces épisodes-là vous plairont. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, laissez un like, partagez la vidéo, commentez. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine session de X-Men Origins Wolverine. Voilà, c'était Drake et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde!